Bonjour madame. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va mon copain. Ça va copain. Bon, écoute, tu vois qu'à Bruxelles, ça commence à partir un petit peu en vrille quand même. C'est plus bien. C'était, tu vis bien à Bruxelles? Oui, mais j'ai fait du théâtre. Mais on s'en fout ça, c'est pas le truc. Le truc c'est que, qu'est-ce que tu voudrais changer à Bruxelles? Je voudrais changer... Le bourgmestre, tu veux le changer déjà? Ouais, mais non, mais vas-y, parle, parce que là, tout le monde nous voit, tout le monde nous voit. Là, il y a, je sais pas, peut-être 60, 70 000 personnes qui nous voient. Je voudrais que tout le monde se parle. Se parle? Oui, que ce soit belge, que ce soit noir, ou marocain, ou espagnol. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est tout pour la vie. Okay. Et les animaux, les chiens, les chats. Ouais, mais les Chinois, ils bouffent les animaux, là, ça va pas ce dernier temps. Ah, oh, mais les Chinois, je les aime pas. Allez, comment ça? Oui, mais faut pas dire. Tu dis que tout le monde, tu veux parler avec tout le monde, puis tu me dis les Chinois, je les aime pas. Non, parce que eux, ils mangent les chiens. Ah ouais, ouais. Hey, ils ont mangé ton chien. Alors, ils ont mangé ton chien. Non, pas encore. Pas encore. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de changer à Bruxelles? Dis-moi, j'aimerais bien que tu me dises. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose, tu changerais quoi? Les poubelles. Ah, ok. Déjà, pourquoi? Pourquoi parce les poubelles? Parce que cette trottoir, c'est des cochons. Ça, c'est des cochons, ouais, d'accord. Premier truc. Quoi encore? Est-ce que tu roules en voiture? Non. Non, rien à foutre. Le piétonnier, tout ça, t'aimes bien? Non. Oui. T'aimes bien le piétonnier? Oui, mais c'est pas... à mon idée. C'est quoi ton idée, toi? Dis-le à monsieur Bourgmestre, il te voit, je le vois, il boit son thé, là. Avec un cigare. Et alors, je voudrais dire... Non, mais dis à monsieur Bourgmestre, qu'est-ce que tu voudrais faire dans le piétonnier? Qu'est-ce que tu veux changer? Eh ben, qu'il a plus de piétonnier. Hein? Qu'il en a plus. Qu'est-ce qu'il y a plus? Puisque les chiens, ils attaquent au laisser-chien. Ah ouais? Hein? Et toi, t'as peur quand tu passes là-bas le soir? Oui. C'est vrai? T'as peur de quoi? On t'a déjà agressé? Oui. C'est vrai? Plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Eh ben, on m'attaque et on me fait tomber. Allez! Dans le piétonnier? Oui. Ah ben, monsieur Bourgmestre, ils sont où la sécurité? Parce qu'ils disent qu'il y a de la sécurité là-bas. Ah ben c'est rare qu'on les voit, hein. Ah ben c'est des branleurs, voilà. Avec les mitraillettes, là. Ouais, les mitraillettes et tout le bazar. Après, ça achète des pulls au H&M. Hein, ça c'est quand même grave. En fait, tu voulais dire un dernier petit truc pour dire au revoir quelque chose au peuple belge? Moi j'aime bien les Belges, j'aime bien tout le monde. Ça va. Et le roi Philippe, fais un bisou. Bisou. Mathilde. Hein, Mathilde, elle te voit, hein, elle te voit là, hein, tu vois. Et les enfants. Voilà, t'as vu? Elle en a trois, je crois. Elle en a trois et demi. Il y en a un qui s'est un cul de jatte. Elle n'a pas de jambes.